Bonjour mes petites lucioles, j'espère que vous allez bien. Moi, ça peut aller, je suis en maladie. Du coup, je profite de vous prendre pour le moment. Je vous ai pris depuis longtemps. Je viens de boire un truc et ça m'a dégoûté. Voilà, mais enfin, soit. Et ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas pris. Mais j'ai plus lu depuis juillet, fin juillet, début juillet. Du coup, voilà. Mais j'ai recontinué ma lecture de Monsieur de Elfsen, voilà, en audio book. Je l'ai terminé, j'ai adoré ce bouquin. Je pensais pas avoir autant de. Bon, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé. Je vous le conseille, ceux qui aiment bien un peu la romance érotique. C'est ça un peu. C'est après les. J'arriverai à parler, excusez-moi. Nuance de grès. Voilà, j'ai apprécié cette lecture. Je sais pas quoi vous en dire. Ici, on va suivre une jeune femme. Je sais plus son nom. Tressia, je crois. Je sais plus, enfin, soit. Qui est partie de son pays. Elle n'a pas de. Comment on dit? De papier. Et elle va faire des. Elle va aller chez le monsieur. Faire le ménage et il va se passer des choses et lui va l'aider. Lui, c'est quelqu'un de très adorable. Pourtant, il a beaucoup de sous. Voilà. Mais il est vraiment différent de ce qu'on pense. Il a aussi un petit souci. Son frère est décédé. C'est lui qui avait toutes les entreprises et tout le bazar. Et du coup, c'est lui qui va devoir reprendre. Et il a du mal un peu à supporter tout ça. Mais je vous laisse le découvrir si vous l'avez déjà lu ou pas. Mais moi, je vous le conseille. Il est trop chouette. J'ai bien aimé. Je le lis tard, mais il est très chouette. Et là, j'ai envie de lire. Du coup, je ne sais pas lequel je vais lire. J'ai envie de lire. Je vais vous montrer les deux que j'ai envie de lire. Go Cook. Cook. Voilà. Avec la petite sorcière. Il est assez épais. C'est une BD. Je vais essayer pas trop vous spoiler. Hop. Il est comme ça, comme ça. Du coup, j'ai envie de lire ça. Ou alors, je termine. Non, c'est le tome 2, je crois. Oh, c'est vrai que c'est l'autre que je voulais. C'est pas grave. Ou je lis celui-ci. Voilà, qui me donne aussi envie. C'est le tome 2, si je dis pas de bêtises. J'avais lu le tome 1 il y a un moment déjà. Là, j'ai le tome 2. Ou alors, il y a le dernier tome qu'il faut que je regarde après. J'aimerais bien lire ça. La secrétaire. Je sais plus le nom, secrétaire, je ne sais plus. Enfin, soit je vais lire un de ces deux-là de toute façon-là et je vous tiens au courant dans ce vlog. Voilà, je vais lire et je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai lu. Mais je pense que je vais lire La Petite Sorcière, j'ai trop envie de lire La Petite Sorcière. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour mes petits lucioles, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce petit vlog, enfin, je sais pas comment il va être long ou court. Je vous avais pris hier pour vous dire que j'allais lire. Et hier, j'ai quand même bien lu, mais je n'ai pas terminé mon livre. Du coup, je viens vous en parler un petit peu. On pense à ça, on est jeudi 21 septembre. Et je vais le terminer après. Mais là, je dois aller nettoyer parce que monsieur est parti à la kiné. Je lis Look. Voilà, cette BD. J'ai bien avancé. J'ai lu tout ça hier. Il me reste vraiment pas grand-chose. Voilà. Je compte le finir aujourd'hui. Et après, m'entamer un autre livre. Je sais pas encore quoi. De spécial. Excusez-moi, mais je suis en maladie. Et je suis vraiment pas bien aujourd'hui. Enfin, il y a des jours ça va, il y a des jours où ça va pas bien. Et là, c'est le matin. Parce qu'il est 9h30. Je suis pas au top. Il faut que je fasse mes cheveux aussi. Je les ai lavés hier soir. Mais j'ai pas eu le courage de les faire. Voilà. Du coup, on va suivre. C'est une soeur et un frère, c'est des jumeaux. Voilà. Et on va les suivre. Ils doivent rentrer dans une école. Sauf que ils ont raté leur bus et ils savent pas où est l'école. Du coup, ils vont aller un peu de droite à gauche. Ils vont aller chez leur tante. Et puis je sais plus chez qui. Ils vont avoir des missions à faire, de trucs de sorcière. Il va se passer plein de choses. C'est très
addictif, il y a toujours un truc qui se passe. Et puis il y a aussi le frère qui va voler un œuf de dragon. Voilà, il y a plein de choses. Et ils peuvent pas dire que ils sont des sorciers. Parce qu'au moment on brûle les sorciers sur le bûcher. Et franchement, c'est plein de couleurs. Parce que les images sont. Il y a du noir, du blanc, de toutes les couleurs en fait. C'est un truc avec plein de couleurs. Beaucoup de noir. Et ils vont se passer plein de choses. Ils vont rencontrer plein de gens. Là, on rencontre déjà une princesse. Là, il y a. Je sais plus c'est qui. Il y a le dra Là, il y a le. La grenouille. Qui crache du feu. Franchement, il y a plein de choses qui est vraiment pas mal. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore lu. Moi, j'aime beaucoup. Je vais le terminer après avoir nettoyé l'appart. Il me reste vraiment pas grand-chose. Je sais même pas combien il fait. Je suis à la page 180 et il fait 223 pages. Voilà, j'ai lu 180 pages et c'est quand même. Y a beaucoup de bulles quand même. Je peux vous montrer. Là, regardez, là, dans le noir, il y a beaucoup de bulles. Il y a quand même pas mal de bulles à lire. Bon, il y a une page ou deux où vous trouvez pas de bulles. Mais c'est très très rare comme là. J'essayais pas trop spoiler, mais là, vous voyez, dans la petite maison, là, il y a que deux, trois bulles. Voilà, mais c'est rare quand vous avez que ça. Heureusement, c'est beaucoup de bulles. Et franchement, c'est très chouette. Regardez là. J'essaie de pas trop vous spoiler, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup de bulles à lire quand même. Ouais, vous voyez. Quand même pas mal de bulles à lire. Et franchement, il y a plein de choses qui arrivent dans ce bouquin. J'aime beaucoup suivre ce petit. Ces jumeaux qui font que des conneries. Qui se font rattraper par des amis qu'ils rencontrent sur le chemin. Comme la princesse qui va l'aider, enfin les aider à faire plein de choses. Voilà, c'est trop mignon, j'aime beaucoup. Maintenant, ça va pas être un coup de cœur, mais c'est une histoire à lire au moment de Halloween. Bon, c'est pas un truc fort Halloweenes, mais ça parle de sorcières, ça parle de magie. Ils font des potions. Bon voilà, c'est pas vraiment un truc Halloweenes, j'arriverai à dire. Mais ça peut passer comme un truc si vous en voulez le lire pendant les moments, plus dans les périodes. Voilà, mais franchement, entre nous, Halloween, un petit peu avant ou après Halloween, franchement, vous êtes dans le thème et voilà, c'est. Il y a d'autres livres qui ressemblent plus à Halloween que celui-ci, mais il est trop chouette. Il y a plein de petits détails qu'il faut regarder les images. Voilà, j'aime beaucoup aussi le dragon là, sur la couverture. Je suppose qu'on va le rencontrer, je sais pas. Je suppose que c'est en tome 1. Il n'y a rien marqué. Voilà, j'espère qu'on aura toutes les réponses de ce qui va se passer. Parce que vraiment là, j'ai presque pas grand-chose et j'ai envie de savoir. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais plus lu et il est trop chouette, je vous le conseille. Voilà, sur ce, je n'ai pas grand-chose à vous dire d'autre. Là, je vais aller nettoyer mon appart avant que. Parce que monsieur en a pour 1 heure de kiné. Et après, je ne sais pas ce que je vais lire. Ou je lis le tome que je vous ai montré hier, je ne sais plus le nom. Je sais pas où je l'ai mis. Ou alors j'essaye de me retrouver la secrétaire Kim, le dernier tome. J'aimerais bien peut-être le lire. Comme ça, il serait lu et je serais contente. Voilà, je ne sais pas encore. Oh, on va voir. Je vous tiendrai au courant. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonjour, mes petites fusseuses. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai pas mis mes lunettes. Mais je vais pas les mettre. Je n'ai pas envie. On est jeudi 28 septembre. C'est déjà la fin. Je vous avais pris il y a un moment, je crois. Déjà une semaine, je pense. Et je vous ai complètement oublié parce que j'avais dit que j'allais revenir avec la lecture que j'ai lue de Hook. Je l'ai terminée, mais j'ai oublié de vous prendre. J'ai bien aimé, c'est pas. Enfin, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, hein. Il y a une suite, je vais pas essayer de me la procurer.
quand elle sortira. Je sais pas quand elle sort ou elle est déjà sortie, je saurais pas vous dire. J'ai bien aimé, je voudrais bien suivre. Maintenant, c'est pas un coup de cœur, c'est une histoire qui donne envie. On va suivre ces deux enfants qui vont rater le bus et du coup, ils vont aller de droite à gauche dans d'autres personnes qui connaissent, qui des sorciers. En fait, ils sont des sorcières et sorciers qui doivent se cacher dans la ville des gens comme nous, quoi. Voilà. Et ils vont faire plein de petites choses et c'est très bien. Ça n'arrête pas. On a toujours un truc qui se passe dans ce bouquin. J'ai bien aimé. Et j'espère continuer ce. Enfin, continuer. Enfin, lire la suite. J'arriverai avec mes mots. Hier, j'ai vu chez quelqu'un, chez Ludo, qui va sortir son bouquin, qui est belge aussi, qui avait mis des stories. Et j'ai vu qu'il avait mis un livre Disney. Et du coup, je lui ai demandé où il l'avait trouvé. Et j'étais me le procurer. Du coup, c'est le Book Doop. Je sais pas comment on dit. Numéro 14, spécial Disney. 100 ans, enfin spécial des 100 ans de Disney, sans film, sans héros, sans musique. Du coup, je me suis procuré. Si vous le cherchez, il est en librairie. Ils ont qu'un petit nombre de bouquins. Voilà. Et il a l'air très chouette. Ça se retrouve un peu comme ça. Voilà, vous avez plein de choses dedans. Vous avez des trucs que je connais même pas. Les aventures. Attendez que je vous montre un peu Disney quand même. Là, vous avez une page de Jean Dalmatien. Là, c'est Merlin Enchanteur, le que j'adore. Là, vous avez les mille pattes. Mulan. Il y a plein de petites choses. Puis, avec tous les petits trucs aussi qu'on ne connaît pas. Les fan clubs D23. Je suppose que c'est Disney 23. Enfin, il y a plein de petites choses. La Reine des Neiges, Star Wars, Coco. Il y a plein de petites choses qui se présentent comme ceci. Chez nous en Belgique, il n'est pas donné. Parce qu'il est au prix de 20,30 €. Et en France, pour ceux qui sont français, il est à 19,90 €. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé la garder. On a une double page Ariel. Du coup, il a l'air très bien. J'ai commencé à lire tantôt un petit peu. Voilà. Et aujourd'hui, j'étais à Primark. Pour ma chère amie, ça c'est mon gilet. Du coup, je me suis acheté des petits trucs aussi. Et du coup, je me suis dit, je vais vous les montrer. Voilà. Je me suis pris des petites chaussettes comme ça. Ils sont à 4,50 €. Du coup, on a Jack. Là, des toiles d'araignée de Jack. Et là, c'est Jack et Sally. Je le trouvais trop mignon pour le prix. Voilà, je les ai pris. Ça, c'est pas pour moi, c'est pour elle. C'est une brosse à cheveux. Un peu. Voilà, c'est. Ça fait un peu brosse à cheval. Voilà. Et elle est à 4,50 €. Bon, ça, c'est pas à moi. Ça, c'est à moi. Je me suis acheté des petites lingettes lavables à 4 €. Je me suis dit. Voilà. Pour. Ils sont tout doux. Bon. Il faudra que je les lave parce que ça pue. Mais voilà. Et j'ai, enfin, je vais peut-être vous les montrer les trois sortes. Parce que moi, j'ai pas vu non plus. Il y a celui-là. Il a celui-ci qui est pas mal non plus. J'aime beaucoup. Et celui-ci. Voilà. Et il y a des couleurs roses. Voilà. Et c'est avec la petite peu moumoutée. Moumoute. Voilà. Et la pochette, elle est très belle. Du coup, je me pense garder la pochette. Même si je l'utilise peut-être pas pour ça, mais. Mais ça, on va d'abord les laver parce que ça pue. Oh, hop, je vais quand même les remettre dedans. Avant qu'un de mes petits chats me les chippe. Ce serait quand même bête. Après, je me suis repris des petites chaussettes. Petites chaussettes, les 100 ans Disney, du coup voilà. Du coup, on a là où on a Winnie l'ourson, et moi c'était celui-là que je voulais. Tigrou! Et là, c'est Porcinet. Voilà, elle se retrouve comme ceci, enfin comme ça.
Voilà. Après, je me suis pris une paire de pantoufles parce que j'en ai plus des masses. Je vous ai même pas le béni de prix, bah, c'est aussi 4 euros. 4,50 aussi. Je me suis pris une petite paire de pantoufles pour cette année. Parce qu'à la longue, moi, je les ai plus une année ou parfois deux et après, mais elles sont trop mignonnes et tout douces. Et ceux-ci, ils sont à 9 euros les pantoufles là. Il y avait juste Stitch aussi en bleu. Mais je me suis dit, allez, je vais prendre des pantoufles roses. Elles sont trop mignonnes pour cette année. Après. Après, je me suis pris deux fois des culottes menstruelles. J'espère que c'est aussi. Ah non, ça c'est des culottes normales, ça c'est pour mettre maintenant. C'est des culottes en qui a pas d'élastique. Voilà, c'est va être très pratique pour moi. Comme on est un peu plus forte, ben, c'est vraiment très facile à mettre. Ben, ça, ce sera à laver aussi. C'est ceci, j'en ai que pris qu'une. Hein, je crois. Je vous ai pas parlé des prix des culottes. Le prix des culottes sont à. C'est bien, pas de prix. Ah, 7 euros. Les culottes normales, ceci. Du coup, il y a un blanc, beige et un. Enfin, deux blancs et un beige. Le blanc, j'avais pas, alors ça tombe bien. Et là, c'est des culottes menstruelles. Voilà, ici, j'ai un noir et un brun. Brun bizarre. Vous avez le truc dedans. J'espère que ça va bien. Je garderai ça pour après. Et ceux-ci sont à 16 euros. Voilà. Il y avait plusieurs couleurs, mais il n'y avait plus ma taille. Du coup, j'ai pris les deux qui me restaient. Voilà, je vais mettre ça quand même. Comme ça, je mets les affaires de madame là-bas. Alors, un truc de madame Mariette, qui est le petit Jack en peluche comme ceci. Il est trop mignon. On va le mettre justement en décoration. Il était à 14 celui-ci. Voilà. Il est trop mignon. Et voilà. C'est pour ça qu'il s'allumait. Ah bon, ben là. Et en fait, au pied, je sais pas si elle a vu elle, mais il s'allume. Voilà. J'espère que ça va s'arrêter. Arrête-toi. Voilà, il est trop mignon. Et le reste qu'elle voulait, il n'y avait pas. Et pour la dernière chose, on l'a pris en deux fois. Moi, ouais, Mariette, elle avait deux choses, c'est ce que je disais. On la prend deux fois parce que j'en ai un pour moi et un pour monsieur. Ça. Le menu, je vous l'ai dit, 14 euros. Ouais. On a pris ceci. Là, vous voyez. J'essaie de vous montrer. Le petit Jack avec le tag. Ceci est à 12 euros. Et derrière, regardez ça. Regardez ça. Il est trop beau. Du coup, celui-ci, c'est un monsieur. C'est un double XL. Et le mien qui est juste là. Voilà. Je le découpe là en deux fois. Voilà. On va le mettre là. Je suis très contente de mes achats. Voilà. Mais ça, c'est le pull que j'ai déjà acheté. Mais je ne vais peut-être même pas montrer. Je l'ai acheté il y a 15 jours, je pense. En Primark. Mais pour le moment, je le mets tout le temps. Le matin. Parce qu'il ne fait pas chaud chaud. Je vais vous le referme pour vous le montrer. J'aurais plus facile. C'est bizarre de pas avoir mes lunettes sur le nez. Voilà. Hop, hop, hop. Et du coup, voilà ce que ça donne. C'est une avec un gilet avec capuche. Il est un peu fourré dedans. Vous avez aussi le tag là en dessous. Et alors, dedans, je sais pas si vous allez voir, il est un peu peluché. Et je suis trop bien avec. Il dépanne bien le matin parce qu'il fait tellement froid le matin et il dépanne super bien. Voilà, du coup, je vous ai tout montré. Je suis très contente de vous avoir montré ça. Dites-moi si vous avez été aussi à Primark pour tout ce qui est Jack pour le moment, parce que c'est la collection Jack à mort. Tout le monde
court dessus, sauf que faites attention à ceux qui veulent aussi acheter tout ce qui est produit Primark sur Vinted. On a regardé, enfin, mon ami a regardé pour des trucs, le plaid qu'elle voulait, il est à un truc de 18 euros, il est vendu presque 40 euros sur Vinted. C'est des malades, ces gens-là. Ces t-shirts-là, ils sont vendus 25 euros sur Vinted. Ils sont à 12 à Primark. Même, je sais qu'ils disparaissent très très vite, mais c'est pas pour ça qu'il faut que les acheter, quoi. Voilà, c'est fou. Voilà, moi je suis très contente de mes petits achats. Du coup, voilà. Surtout mes petites chaussettes Tigrou. C'est tellement rare que des petites chaussettes Tigrou. Du coup, voilà. On va laver tout ça et je mettrai ça. Hein. Voilà. J'espère que ce petit haul Primark vous aura plu. Pour le moment, je sais pas. Je pense lire. J'ai pris ma tablette, ma liseuse. Juste là. Je pense lire un petit peu, mais j'ai un coup de pompe. Pourtant, il faudrait bien que je me reprends dans ma lecture. Ça fait depuis début août. Début août que je n'ai plus ouvert une page. Après, le livre que je vous ai montré là, c'est une BD. Ça m'a pris 2 jours à le lire et ça a été très vite. Mais j'ai plus lu une page depuis lors et ça me manque beaucoup. Et je suis très fatiguée pour le moment. Puis il y a un truc qui arrive dans ma vie qui va changer aussi. Du coup, voilà. Logiquement, si tout se passe bien, on va déménager aussi. Du coup, c'est beaucoup de changements pour moi pour le moment et je suis un peu, voilà, pas trop bien. Des jours où ça va bien et des jours où ça va pas trop bien. Voilà. Et du coup, ben, à cause de tout ça, je lis pas beaucoup. Et puis comme je suis à l'école aussi, je finis à 4 heures. Le temps de rentrer. Enfin, pour le moment, c'est bien parce que monsieur est en maladie. Du coup, il vient me chercher, il me conduit. Je gagne une demi-heure au matin. Je gagne aussi plus ou moins une demi-heure le soir. Du coup, ça m'arrange pour le moment. On en parle trop bien. Mais voilà, c'est pas le top, top, top. Quand même. On va espérer que ça va aller mieux. Oh, excusez-moi, je suis fatiguée. Il est tard. Il est enfin tard. 20h12. Voilà. Du coup, je vais ranger ce bordel de mon lit. Et après, je vais peut-être regarder une petite vidéo ou lire. Je sais pas encore. Mais j'aimerais bien lire pour vous reprendre et vous faire le vlog quand même. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Et je suis désolée pour les longueurs de ce vlog. Mais je vous prends quand je sais. Et voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve plus tard dans cette vidéo. Bisous, bisous. Bonjour, mes tutelles. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je reviens dans ce vlog. On est le 5 octobre. Et je voulais parler de mes 2 livres en cours. Pourtant, je commence une lundi. J'espère que je vais les avoir terminés. J'ai un petit doute, mais c'est pas grave. Normalement, à partir de lundi prochain, sans lecture commune. Je ne sais plus le nom du livre qu'on va lire. Mais c'est pas grave. Du coup, je suis là pour revenir vous parler. Du coup, je suis en train de lire Le Tabarnak, je passe Noël au Canada. De Natacha Pironge. Je pense que c'est comme ça se dit. Il était dédicacé. Je l'avais reçu l'année passée. Voilà, une dédicace. Et ça faisait quelques mois que je ne lisais plus. Et là, celui-là me tentait bien, Noël. On parle beaucoup de Québec pour le moment. Du coup, je me dis pourquoi pas. Et j'ai fait une commande de son livre qui est sorti, je crois, le 4. Enfin, comment. Elle fait une box. Du coup, je l'ai commandé. Je le recevrai le mois prochain. Enfin, je vais la chercher le mois prochain. Du coup, je voulais lire celui-là avant de lire l'autre. Voilà. Pour le moment, j'ai lu 38 pages. Du coup, je peux pas trop vous en parler, mais j'aime beaucoup pour le moment. Ici, on va suivre, je sais plus son nom, une journaliste qui pensait partir au soleil faire un reportage, sauf que elle ne part pas au soleil, elle part au Canada. Voilà, et c'est tout ce que j'ai
puisse vous en dire. Parce que là, elle était dans l'avion, elle venait d'atterrir au pays. Du coup, je voulais savoir ça plus tard. Ouais, il est trop beau en plus. Et hier, j'ai été, je crois que c'est bien hier, bah, soit oui, mardi, je me trompe, mardi. Hier, non, j'ai pas. Mardi, j'ai été chez Club et en fait, je voulais, bah, je me rappelais plus, mais j'ai trouvé, je le voulais, la bête et la bête et conte monstrueux. Par l'auteur des écoles de bien et du mal, Chaman, chez Ozu. Voilà, je viens de lire l'histoire de petit chaperon rouge. Voilà, j'aime beaucoup l'histoire. Maintenant, il y en a plusieurs dedans. On a, il est très, surtout que là, je vais montrer là, il est très beau. Regardez ça. Il est magnifique. Il est tout rouge. Bon, derrière, il n'y a rien. Voilà. Et la petite phrase qui est marquée, vous pensez connaître ces histoires? Ce n'est pas. Vous vous trompez. Vous ne le connaissez pas. Le moindre du monde. Voilà. Et dedans, il est très beau. J'essaie de vous montrer, mais c'est compliqué à une main. Il est très beau. Et vous avez des illustrations. Je vous montre pas tout, mais essayez d'en trouver une. Vous voyez, vous avez des dessins dedans. Voilà, il est très beau. Et du coup, ce que moi je voulais vous montrer. Excusez-moi, je bouge en même temps, mais je le tiens la caméra d'une main. C'est compliqué de tourner les pages. Du coup, on a le petit chaperon rouge, Blanche-Neige, la belle au bois dormant, réponse, Jack et le haricot magique, Hansel et Gretel, la bête et la bête, Barbe bleue, Cendrillon, la petite sirène, Rumbly. Oh, je sais jamais ce que c'est. Q. Rumi. Rumineski, là, je sais plus. Rumine. Et Peter Pan. Le nom, je ne sais pas vous dire. C'est rhume. Nom très compliqué là. Voilà. Et là, j'en ai lu une. Et après, je vais relire ceci. Parce que je voudrais bien avancer quand même. Voilà. Du coup, je vais lire ça après. Je vais lire une par jour de La Bête et la Bête, je pense. Du coup, voilà. J'ai tout ce que j'ai à vous dire. Je suis désolée de bouger aujourd'hui, mais j'ai la trompette et j'ai froid. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'aime beaucoup mes lectures. Normalement, j'en ai une qui commence lundi, lecture commune. J'en ai non, une autre juste après. Du coup, j'espère que mes lectures vont reprendre un max et je suis très contente. Sur ce, je vais vous laisser là parce que j'ai rien d'autre à vous dire et que je vais aller faire à manger. Enfin, je vais faire à manger toute seule parce que monsieur est parti au dentiste et il ne mangera pas. Moi, je suis obligée de manger pas trop tard parce que moi, j'ai du mal à digérer. Voilà, et voilà, c'est ce que j'allais dire. Du coup, moi, je vous laisse et je vous dis à plus tard et je vous fais des gros bisous. Bonjour, monsieur, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. Je pense que ça va être la dernière partie. Parce que je n'oublie pas beaucoup pour le moment, mais du coup, voilà. Mais j'ai fait des petits achats, j'ai craqué aujourd'hui. Du coup, je vais vous montrer et ce vlog va être tard. Je pense que je vous le mettrai plus tard. Parce que j'ai des livres que moi j'ai à ma possession, que je vais pour le moment, mais que je n'aurai plus après. Parce que c'est des cadeaux d'anniversaire. Mais je voulais quand même les montrer parce que je les ai quand même commandés pour moi. Mais ils vont arriver qu'au mois de novembre. Du coup, voilà. Je vais commencer par ceux-là déjà. Je me suis commencé, pris du coup. Le super magnifique livre de Vive la reine des citrouilles. Par contre, le nom c'est Hachette Héros. Il est magnifique. Regardez ce jaspage. Il est trop beau. Mais partout qu'il est beau. Par contre, ils sont très chers. Il n'est pas épais. Je ne sais pas combien il est de pages. 253. 53.
à la page des remerciements. Et c'est pas épais, mais voilà. Et ici, je ne sais pas du tout. Je n'ai même pas lu le résumé. Il me les fallait. Je vais vous lire le résumé, plus ou moins. Alors, Sally est devenue officiellement une nouvelle reine des Citrus après son unition avec un véritable amour, Jack Salliton. Mais si Sally adore Jack de tout son être, du tissu, elle ne peut en dire autant de ce nouveau rôle de reine dans la ville de Halloween. Se retrouver sous le feu des projecteurs de vente fait face à toutes sortes de tâches, un combat à la source survenir, elle ne peut s'empêcher de se demander si elle n'est pas échangée son captivé contre un autre aussi doué que elle. Mais quand avec zéro, elle découvre accidentellement, j'arriverai, une porte longue cachée montant un ancien royaume appelé la ville des rêves, celle déclenchée, sans le savoir, une série de phénomènes incitants qui mettront en péril son avenir en tant que reine des citrouilles. À mon chat. À l'avenir de la ville d'Halloween, Sally parviendra-t-elle à découvrir ce que cela signifie d'être fidèle à elle-même, ou pourra-t-elle sauver la ville qu'elle a appris à parler sa maison, ou son futur transformera-t-il en son pire cauchemar? Découvrir la suite du célèbre film sur les traces de Sally, la nouvelle reine de Citrouille. Oh, il est trop beau. Et en plus, vous voyez pas, c'est un rosé comme les jaspages. La lumière est vraiment pas bonne. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de dessin. Même sur le chapitre, y a rien. Voilà. Il n'y a rien de particulier, quoi. Voilà. Et le prochain que j'aurai plus tard, moi. En fait, c'était les miens, mais que je vais donner parce que voilà. Il est trop beau aussi. Violet, comme ça, il est beau. Tome du Coton. Étrange Noël de Monsieur Jack. Hachette et Rose. Mais il est trop beau. Et le jaspage aussi. Enfin, normalement, il se présente comme ceci. Voilà, il y a des citrouilles. Les citrouilles. Même le derrière, il est beau. J'aime bien la pro. Tous les deux, ils sont à 22h. À 22h. J'arriverai aujourd'hui, je suis fatiguée. Je reviens de l'école, en fait. Je ne sais même pas si je vous ai dit, on est le 10 octobre. Ils sont à 22h. 22h, j'ai encore dit, hein? À 22... 22, 10 euros. J'arriverai. Voilà. Et celui-ci a un encadrement. Je sais pas si vous... On voit bien. Encadrement sur les pages. Maintenant, je trouve pas les... Il y a aussi des titres 364 jours avant Halloween. Il a l'air franchement bien. Il me donne très envie de lire. Pourtant, je vais pas l'avoir là. Et la lumière s'éteint. Bien-aimé le roi citrouille de la ville d'Halloween. Jack Stellington est en assez de se affronter routine annuelle lorsqu'il mystérieuse porte cachée dans le bois amène jusqu'à la ville de Noël. Il découvre le monde enchanté qui se ressemble à rien de ce qu'il connaît. Peuple et lutins, joyeux
et lumière féerique, Jack a pris décidé cette année la ville Halloween fêtera Noël. Second de ce fidèle chien héros, Zéro et Sally, Jack tente d'organiser le festival mais pas de Noël. Parfois, ce n'est pas si facile. Je lève dessus. Et de défis, les multipliquer. Sally est assis de vision, assidie par la vision d'étendre. En tant que étrange, oh, bougie, ce tapis d'ombre. Le Noël parfait devient-il réel ou le rêve de Jack est-il voué à se transformer en cauchemar? Découvrez le célèbre classique de Tom Bureau sous la plume. En fait, c'est la même. Il est trop beau, j'aime beaucoup. Et lui fait. Allez. Pas de page. Ah, il est plus petit, je crois. 253, c'est ce que j'ai dit aussi. Je sais plus. 253, bah tous les deux font. Pourquoi celui-ci fait plus gros, j'ai l'impression. Mais quand vous les voyez, ils sont trop beaux. Il va être beau dans une bibliothèque. Voilà, moi j'aimerais que au mois de novembre, j'ai vu. Ça me fait chier. Celui qui est à moi. Tadam! Trois sorcières d'enfer. Opus Hocus, une suite interdidèle. Il est par contre le jaspage. Bon, il sort comme vous voyez, c'est un rose. Derrière, vous avez les trois. On voit un petit peu le troisième. Revient un célèbre film Opus Hocus et découvrez une toute nouvelle suite inédite lorsqu'il vient de s'installer. Salem, avec sa famille, Max Divzon se retrouve dans l'ennemi ju jusque au cou. En ressourci, les sœurs sonneraient. Les trois sorcières diaboliques, Max, sa sœur et sa nouvelle amie, humain ou non, on n'a pas le choix. Ils doivent absolument s'empêcher les sorcières se mettre au point leur plan maléfique et tourner Salem pour l'éteindre. En fait, c'est comme le film, quoi. Là, on a des petits. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Lui, il est gros. Hein. Il y a des petits chats aussi. J'ai vu un petit chat. Des petits trucs. Sinon, c'est fait pour nous. Il a plein de petits dessins à chaque début de chapitre. Là, comme par exemple, vous avez des petites chaussures. Les trois sorcières, mais on voit le pied. Voilà. Vous avez à chaque fois un petit truc comme dessin. Mais celui-là, il est fameux. Première partie, le passé. Vous avez la première passe. Et là, vous avez un dessin. Voilà. La nuit d'Halloween quand la lune. Ouais, je crois que déjà. Ah, vous avez une carte dans celui-ci. Et là, vous avez les trois petites sorcières. Ouais, c'est tout. Mais il est épais comme tout. Je sais pas combien il fait. 500. Neuf pages. Il est épais comme tout. Du coup, ça c'est le mien. Parce qu'elle l'aura. Mais pas par moi. Voilà. Il est beau. J'aime bien aussi. Voilà. J'espère que je vais aimer. Parce que lui aussi a 26,10 €. Voilà. Et après, j'ai trois petits à vous montrer. Par contre, je crois pas que je vais lire le chapitre. Un boss en enfer. Ophialia. Je sais pas comment ça se dit. J'aime bien aussi, mais vous voyez pas les dessins. C'est un peu dessiné, je sais pas là, comment vous dire.
Et je vais peut-être essayer d'allumer. Attendez, je vais allumer, je reviens. Je suis pas sûre que ça va changer beaucoup, mais peut-être un petit peu sur le dessin. Moi, j'aime beaucoup. Bon, c'est mon boss d'enfer. J'ai lu un petit peu tantôt, parce que j'avais pas beaucoup de temps. Chut. Pour lire, parce que regardez, c'est un roman. Je vais vous lire un petit peu, comme ça vous verrez un petit peu. Victoria est la maladresse incarnée, premier jour de travail en tant qu'assistante direction de l'agence FEPI. Wop, wep. Et elle se fait surprendre à parler manière peu le énégus de son patron. Mais loin de s'en formaliser, Alexandre d'offre, Alice et Clip-pop apprécie son franc-parler. Si son patron porte à merveille le surnom, c'est parce que cet impressionnement barbe rousse, il n'y a pas de barbe, ah c'est une barbe, et ses cheveux désordonnés, il cache un œil avolé. J'ai encore envie de lire. Attention, j'ai déjà lu une grosse partie. Hein. Il décide d'embarquer avec lui contre la promesse d'un généreux chèque dans sa promeuse maison d'enfants. Car des soucis familiaux indiquent sa présence, Victoria pense que son patron est une insupportable bosse de riche, mais elle accepte sans réaliser que dans quoi elle met les pieds. Entre un père désagréable, un frère impoli et une sœur déprimée, Victoria n'est pas certaine de récaper de son mémoire d'enfer. Indemne, indemne, si ce n'est pas pour Alex, donc le charmeur contre toute attente ne le laisse pas indifférent. Il me donne très envie celui-ci. Ouais. C'est juste écrit. Non, ça va. Il a des petits chapitres. Et alors, voilà pour le deuxième. Et ceci est à 7,85. Et après, les trois. Ouais, il y en a encore un que je peux vous montrer avant de dire ce que je voulais. J'ai pris aussi Opal de 1000 colonnes, quand même. Je sais pas comment on prononce les noms. Excusez-moi pour les noms, mais voilà. Et en plus, j'ai une chaise, pas possible. C'est pas possible. Je suis fatiguée. Je reviens de l'école. Voilà. Mais il est trop beau aussi. J'en avais entendu parler. C'est un tome 1, par contre. Ça, j'avais pas vu. L'ancien pilote de course, Liz, a été obligée d'abandonner la compétition il y a plus de 8 ans. Elle est partie brusquement, laissant derrière elle son petit ami et époque de ses amis d'enfance. La jeune femme pense avoir tourné la page. Désormais, elle épanouie en tant qu'énéreuse traiteur pour Dag Boyle, ou Jack Boyle, un célèbre je sais pas, de Formule 1. Mais tout bascule avec l'arrivée de son nouvel recruteur. Wen, c'est un des pilotes le plus talentueux de sa génération, mais aussi son amour de jeunesse. Ouh! Le séduisant brun ne lui a jamais pardonné d'avoir disparu un jour ou lendemain, lorsque elle réalise qu'il n'a jamais quitter le Bokou, la colère fut surmée, mais pour le bien de leur carrière, ils sont obligés de se cal la collaborer. Et dans le monde impitoyable de la F1, Wen, je sais pas comment ça se dit, comme Liz, aurait bien besoin d'un œil. Quittant à se laisser du comment entrer dans le jeu de séduction.
Ils vont encore se passer des trucs. J'aime beaucoup. Et après, je cherchais ces trois-là. Et je les trouvais pas. Et du coup, j'ai dû demander. Et je les ai trouvés. Du coup, déjà, il y en a deux qui ils vont ensemble. Je ne sais pas dans quel ordre il faut les lire. J'ai pris les deux que j'avais. Le mariage presque parfait, un accro à Noël. J'avais vu le premier que j'avais adoré. Et il y a celui-ci, le bébé que plus le même. Plus que parfait, accro à Noël. J'ai l'impression que celui-ci est plus. Ils sont deux petits, hein. Celui-là, par contre, je vais pas lire les résumés parce que j'ai envie de. Ouais, 235. 250. J'ai vraiment pas envie de me spoiler. Du coup, j'ai pas lu le résumé. Le tome. Enfin, je sais pas si c'est un tome 1, mais en fait, j'avais adoré le premier tome. On va dire le premier tome. Le premier, j'avais adoré. Du coup, je me suis dit, je vais reprendre les deux. Du coup, je sais pas si je dois les lire dans un ordre. Il n'y a pas de 1 ni de 2. Ça me semble pas. Du coup, on verra. Je vais regarder sur Livradic s'il y a un ordre. Si quelqu'un sait s'il y a un ordre à lire, dites-le moi. Voilà. Et le dernier, bien sûr, celui-là, il fallait que je le prenne. Un écrivain belge de chez nous. Du coup, j'ai pris comme survivre à Noël avec son ex chez Hugo Poche de Hugo. Ludo de Berthe, je sais pas comment ça se prononce. Et il est belge. Et il est youtubeur aussi. Et sa petite tête, c'est mieux sienne. Voilà. Et du coup, ben, il fallait que je prenne son livre. Il n'est pas gros, gros. Et alors, il y en a un autre que je doutais de prendre. 343 pages. Il y a d'autres que je veux aussi, mais que je prendrai plus tard. Là. Il y a le mec au chalet. Ça, j'ai un doute si je l'avais déjà eu. Moi, je le prendrai la prochaine fois. Voilà. Mais je sais pas. Franchement, celui-ci, il était obligatoirement qu'il me le fallait. Voilà. Et je lis pas le résumé parce que j'ai envie de rentrer dedans sans connaître quoi que ce soit. Voilà. Voilà pour les. Je vous montre tout, même s'il y en a deux que j'aurai plus tard. Gros achat. Tadam! Attendez, j'essaie de remettre. C'est compliqué, ça glisse. Tadam! Voulais vous mettre plus près, mais. Donc, je vais mettre pour celui-là aussi. Hop, hop, hop. Hop, voilà, c'est mieux, on voit mieux. Voilà. Mes gros craquages. Et pour le moment, je ne lis rien du tout, c'est ça le truc. Du coup, ben, je vais arrêter ce vlog aujourd'hui et voilà. J'essaierai de le monter pour vous le mettre dans la foulée. Mais comptez pas ce week-end. De toute façon, vous le verrez pas d'autre. Parce que c'est le week-end de mon anniversaire. Du coup, je ferai pas. Je suis pas là. Enfin, mon anniversaire, c'est jeudi. On est mardi. C'est jeudi. Jeudi, ben. Logiquement, je n'ai pas de. Enfin, monsieur n'a pas de voiture. On vient nous chercher. On va manger un petit bout quelque part. Juste pour marquer. Enfin, marquer le coup. Manger un petit truc. Vendredi, il n'y a rien. Je vais à l'école. Enfin, j'ai un rendez-vous à 1h40, je pense. Et samedi, je fais mon anniversaire chez ma mamie, tous ensemble, en famille. Voilà. Et regardez ce qui m'attend, mon petit 4 heures là. Du coup, je vais vous laisser et je vais manger ma compote et mon petit truc de chocolat, là, je sais pas le nom. Mais voilà, sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. Dites-moi en commentaire les livres que vous lisez. Est-ce que vous avez craqué pour un de ces livres que je vous ai montré? Est-ce que vous avez craqué pour beaucoup de livres de Noël? Voilà, et dites-moi ça en commentaire. Mettez un pouce bleu, enfin un commentaire. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!